discours d'hier soir est un véritable désastre pour le président. Le comité exige-t-il que Kirkman se retire de la course? Le Congrès est dans un état désolant. Notre système est en panne. Et c'est vous qui en êtes responsable. Ce coup-ci, je crois que j'ai fait une belle connerie. Tous les trois, vous m'accompagnez depuis le début de mon aventure présidentielle. J'ai besoin de vos conseils. Si vous vous présentez mais que vous perdez, c'est ce que la postérité retiendra. Je pense que vous ne posez pas la bonne question. Pourquoi vous avez pris la décision de vous présenter? Le président ne nous considère pas tous comme des citoyens américains à part entière. Aucun des candidats pouvait vraiment me représenter. Vous êtes inquiet à l'idée d'avoir pris la mauvaise décision. N'importe quel dirigeant digne de ce nom le serait aussi. Je comprends votre colère. Votre colère à tous, elle est aussi la mienne. Je suis comme vous. Montrez l'homme que vous êtes aux électeurs et ça sera tout seul. Vous me direz si ça vous plairait de rejoindre l'équipe comme vice-président. Qu'est-ce qui vous a pris de ne pas nous en parler? Vous pensiez à quoi, bordel? Où est donc passé votre professionnalisme? Qu'est-il arrivé à votre éthique? Chacun a droit au respect de son intimité, sauf quand ça t'arrange pas. J'appelle pas ça du journalisme, moi! Ça te met pas en colère? Ce qu'elle dit est faux. Que diriez-vous de travailler pour la CIA? Il y a eu une épidémie à Toronto. Il faut qu'on le contacte avant que nos ennemis le fassent. Nous devons nous préparer à une attaque bioterroriste imminente. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur le président? Je n'en ai pas la moindre idée. Vous n'avez peut-être pas ce qu'il faut pour gagner. Ce qu'il faut, c'est être sans pitié. Tu veux que j'aille manifester devant la Maison Blanche, histoire d'emmerder le président? T'as choisi de t'écraser. Tu m'as privé de mon droit de choisir. Je suis désolé. Je t'ai menti. Lynn? Envoyez vite une ambulance. Oh mon Dieu. Je mise tout sur ce que je crois être juste pour le pays. Vous vous croyez au-dessus des politiques, mais la vérité c'est que vous n'êtes pas moins politicien que je le suis. Alors que Dieu me vienne en aide.